Ok. Guys, go go. Bon, il faut que je trouve la diseuse de bonne aventure. Hey, quoi? What's happening? Qu'est-ce qui se passe-t-il? What's with the cast, bro? Ah oui, le gars, il a plein de bandages. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Ouais, des trucs. Hier, au milieu de la nuit, il y avait personne, pas un chat. J'étais bourré et jaywalking, ça veut dire quoi? Je marchais pas droit. Tout d'un coup, j'ai entendu un grand bruit de moto. La chose d'après, je me souviens juste que j'étais en train de j'étais allongé dans la rue avec une jambe, enfin avec un os cassé. C'est dingue comme accident. Est-ce que ça pourrait être un fantôme? Non, c'est juste une rumeur. Peut-être que t'étais juste trop bourreux pour t'en souvenir. Une moto? Une mystérieuse son de moto au milieu de la nuit? Ça a l'air intéressant. Ok, je devrais jeter un œil par moi-même. Où devrais-je attendre d'ici minuit? Peut-être dans le café. Attendez, ça veut dire que ça, à mon avis, c'est une quête optionnelle. Bah, je pense qu'on va aller faire un tour. Allez, ouais, allez, allons-y. Petite quête optionnelle avant la suite de l'aventure. Même si je vous avoue, je suis pas spécialement emballé hein, par les quêtes optionnelles. Ok, donc il est minuit. D'accord. Il y a la moto. C'est un fantôme, hein, très certainement, mais... Est-ce qu'il faut le suivre? Ah bah c'est un pochong, putain, qu'est-ce qu'il fout sur cette moto? Je pense qu'il doit faire le tour de la ville. Il arrive. C'est juste ça? Faut juste que je le prenne en photo quand il passe. Ah, attendez, il a laissé tomber un truc. Oh! What? Attendez, new location accessible. Je peux aller à un nouvel endroit. The blood soaked vehicle registration. C'est quoi le registre véhicule, je sais pas de quoi de. Il est apparemment taché de sang. Ce morceau de papier est taché de sang. Je peux à peine le lire. Je pense que le propriétaire était impliqué dans un sale accident de voiture. Je devrais le garder pour le moment. Je me demande pourquoi ce pochon a lâché ça. Ok. Je pense que ça va aller se foutre dans les légendes urbaines, ça m'étonnera même pas. Curious Report, Ghost Rider. Ok, une rumeur à propos d'une moto. Ok, d'accord, bon. Et du coup, je peux aller à un nouvel endroit. Waouh! En fait, il y a des lieux qui dépendent de quêtes annexes. Intéressant, ça.
What? Start the conversation. Commencer la conversation avec le conducteur. Ou alors profiter du voyage. Bon, engageons la conversation. Il n'a pas l'air très, très bavard. Et des taxis à moto, sympa. N'aie pas peur, je ne veux pas t'effrayer. Je voulais juste te parler. C'est assez éprouvant d'être un fantôme. Qui es-tu? Où sont mes manières? Mon nom c'est Dai Vitesse Irawan. Bon, Vitesse c'est son surnom. Hein. Je suis le gars le plus rapide à Mom District. Vroom vroom! Now you see me. Maintenant tu me vois. Maintenant tu me vois plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse un peu. Pas apprécié, pas impressionné, on dirait. Right, what exactly? Ok, qu'est-ce que tu veux exactement? J'essayais de te rencontrer. J'étais. Je me disais, cette fille est trop cool. Peut-être que je peux lui parler de mon histoire. Alors j'ai prié le dieu des courses. Le dieu de la course plutôt. Et boum, t'es là. Tu veux écouter mon histoire? Allez. J'étais un gars ordinaire qui vivait avec ses parents. On était une famille heureuse. Mais quelque chose est arrivé. Mais mes parents avaient un hôtel. C'était le plus cool de la ville. Et puis le business s'est écroulé. Et ma famille aussi. Les dettes s'empilaient. Mes parents s'engueulaient tout le temps. Je ne pouvais plus le supporter. Alors je me suis enfui. Par chance, dans la rue, j'ai trouvé ma destinée, mon véritable talent. Je suis devenu un coureur illégal, super badass. J'ai gagné de l'argent et de la réputation. J'imagine qu'il est mort dans un accident. Et puis, c'est arrivé. Une nuit, à la fin d'une course, quand j'avais presque arrivé, quand j'avais presque atteint la ligne d'arrivée, j'ai vu une énorme main verte arriver de nulle part. Ce truc essayait de m'attraper. Complètement paniqué, j'ai perdu le contrôle de ma moto. Et boum. Du sang partout. Je ne pouvais plus sentir mon corps. Et tout est devenu sombre. Je
Je me suis réveillé et je me suis retrouvé comme ça. Désolé, je ne savais pas. Non, ça va. Je peux continuer à courir comme jamais, sans peur. Au moins. Au moins, je me suis vidé, j'ai vidé mon sac. Lequel? Celui dans lequel il est enfermé? Lol. Merci pour m'avoir écouté, Linda. Et nous voici dans ce nouveau lieu. Repose en paix, Dai. Oh putain. Peut-être que nous ferons un tour ensemble un jour. De nouveau un tour ensemble. Ah bah ben, j'ai presque envie de pleurer quoi. Bon, le ghost tab marche toujours pas. On va aller voir là. Un esprit sans repos qui aimait les courses illégales. Même dans l'au-delà, sa passion pour les courses le maintient en vie. Bizarrement dit ça. Ça va être bizarre de se sentir vivant quand t'es mort. Hein. Bon, je dis ça, mais... C'est très, très paradoxal. Ah, bah tiens, le jeu a crashé, je crois. Ça a l'air très paisible comme endroit quand même. Hein. Ça m'a l'air très paisible. Alors, je sais pas où on peut aller. On peut pas sortir de ce côté-là. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Waouh, ça a l'air quand même assez vaste. Ouh, il y a quelqu'un. S'il te plaît, accepte mon humble offrande. Donne-moi les chiffres gagnants pour demain. S'il te plaît, donne-moi un signe. Un type addict au jeu qui prie je sais pas qui. Une divinité ou peut-être un de ses amis morts, je sais pas. Ce lieu est décidément bien vaste. Ma meilleure amie ou mon meilleur ami est parti. Ok. Ah, c'était son chien ? Vu la taille de la tombe. Ah, ça aurait craché. Bah tiens donc. Bon, comme ça fait deux fois que le truc crache, je pense que je vais revisiter cet endroit-là un peu plus tard. On va aller voir la diseuse de Bonaventure. Si elle a des trucs à nous dire. Par contre, je sais absolument plus où c'est. Je crois que c'est par là. Fallait traverser le pont, il me semble. J'ai du foot, j'ai du. Alors je sais, j'espère que ça, mes crashs viennent, enfin viennent ou viennent pas, j'en sais rien de mon matos qui surchauffe, mais du coup j'ai dû allumer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon PC et que j'ai allumé les ventilateurs pour essayer de ventiler un peu plus. Je crois que c'est la carte graphique à mon avis elle surchauffe un peu. Ouais, je crois que c'est par là. Hein. Oui, c'était par là. Ouais, je reconnais la musique.
C'était par là ou hein, je sais plus trop. Il me semble que c'était... Non. Je sais plus où c'était. Exactement. Mais on n'est pas loin. Non, mais c'était là. Hein. C'était là, voilà. Et t'es de retour. Je suis rassuré que tu sois sauve. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais me dire? Tu as trouvé un œuf? Est-ce que c'est une blague? Attends. Est-ce que ce ne serait pas un œuf de poule de Sémanie? Je sais pas ce que c'est. Pas mal de gens trouvent ce genre d'œufs pour faire des rituels. Enfin, utilisent ce genre d'œufs pour effectuer des rituels. Et ce Yetuf en a déjà participé, il a un certain mantra attaché à lui. Intéressant. Écoute, Linda. Kampung Sinte, le seul endroit, on va dire, c'est célèbre pour ses œufs. C'est l'endroit là où je vais aller. Tu dois aller là-bas et chercher de nouveaux indices. Pendant que tu y es, peut-être, juste peut-être, des choses intéressantes à ton propos pourraient être révélées. Ah, peut-être on va apprendre pourquoi elle était dans un orphelinat dans sa jeunesse. Il y a des choses cachées à Kampung Siente. Pourquoi est-ce que tu es toujours ici? Nice guy Abby, toujours. Kampung Sadiba, no, du Outsider, ok. On raconte sa vie. Est-ce que je retente le... On va retenter le cimetière, mais... faut que j'aille là-bas, dans un nouveau lieu. Il y a encore de la place pour 1, 2... voire trois lieux, hein. Trois nouveaux lieux. Je vais retenter le... Allez, 5 minutes de jeu, il reste, on va retenter le cimetière. On va retenter le cimetière, et puis la prochaine fois, on se rendra à ce nouveau lieu. Qui me permettra de débuter l'acte 5, hein, puisque... quand j'ai chargé la partie, après les crashs, là, c'est marqué que j'étais à l'acte 5. Hein, donc, je pense que... Je pense qu'on va y arriver, là. C'est marrant, alors là le jeu recrache pas. À mon avis, ça se trouve, le fait d'avoir mis le ventilateur. C'est quand même con quoi, j'ai l'impression de me retrouver avec un vieux PC de merde. Alors je me pose vraiment la question, hein. Soit j'ai vraiment un problème sur l'aération de mon ordi, alors pourtant là il est ouvert, hein, les coques sont ouvertes. Hein. Ou alors c'est juste ma carte graphique qui a un défaut, qui surchauffe. Pourtant il me semble avoir. Je suis déjà allé faire un tour dans les options, j'ai réduit la puissance et tout, mais ça avait pas suffi. De toute façon, il y a un moment où je vais bien changer de configuration. Alors, on va parler un petit peu aux gens qui sont par là. Est-ce que tu es la personne qui s'est réveillée sur la tombe de Dai? Il est vraiment chanceux d'avoir un ami comme toi. Merci de lui avoir rendu visite, madame, enfin mademoiselle. Alors il ne sera pas tout seul comme la plupart de ses âmes. D'accord. Parce que ça veut dire qu'à mon avis, il n'y a pas grand monde qui vient rendre visite. Hein. C'est vrai que les cimetières, c'est... Enfin moi-même au cimetière, j'y vais très peu. Hein. Pourtant j'ai des connaissances au cimetière. Bon après, moi je suis à Lyon et j'ai aucune connaissance au cimetière à Lyon, quoi, mais... C'est vrai que je vais très très peu au cimetière. Hein. Par exemple, j'ai une grand-mère qui est décédée il y a quelques mois. Et je suis allé au cimetière, du coup, pour son enterrement.
Et c'était la première fois que j'allais dans ce cimetière depuis peut-être 15 ans, 20 ans. Alors que j'ai mon arrière, mes arrière-grands-parents et puis maintenant, bah, mes grands-parents qui sont là-bas. Ok, j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire dans ce cimetière. Ça fait très... je sais pas, il est vraiment piteux état ce cimetière. Hein. Ah, cette statue de prêtresse est plus vieille que la plupart des tombes ici. Effectivement, bah, je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué quand je m'en suis approché. Ouais, je termine mon petit tour et puis on va s'arrêter. Bon, sinon j'ai pas mal de choses. Enfin, j'ai pas mal de choses. J'ai des choses de nouveau à dire sur ce Dreadout. Négative mais également positive. Pour une fois, pour changer. Alors, il y a un truc que je trouve très étrange. Je suis venu à une espèce de réalisation. En tout cas, j'ai remarqué quelque chose, c'est que... Alors, on l'a vu déjà depuis... On le voit déjà depuis le début, mais le jeu s'inspire pas mal de... Enfin, puis ses inspirations un petit peu à droite à gauche. À la fois dans Outlast et dans un peu dans Silent Hill, hein, avec le fait d'avoir des vrais monstres et des vrais combats. On sent qu'il puise un petit peu dans le survival horror à l'ancienne. Hein. J'ai envie de dire Silent Hill, mais peut-être un peu The Evil Within, je sais pas trop. Dans la mesure où il y a des monstres avec des combats à la hache, bon voilà, ça fait vraiment un peu survival horror à l'ancienne. Mais il y a quand même quelque chose qui le différencie vraiment de ces survival horror, de ces vieux survival horror, ou enfin vieux entre guillemets, hein, parce que The Evil Within c'est pas vieux, enfin pas tant que ça en tout cas. C'est que en fait, les lieux sont super vides. C'est-à-dire que dans l'hôtel, je me baladais dans toutes les chambres. Et c'est marrant parce que je me suis dit, tiens, un hôtel, ça me rappelle un petit peu les hôtels qu'on visitait, par exemple, dans Silent Hill 2, typiquement. Que ce soit les Woodside, les appartements Woodside et Blue Creek au début de Silent Hill 2, ou alors l'hôtel, à la fin du jeu, quoi. Et là, je me suis dit, mais... Et en fait, j'arrivais pas à toucher du doigt pourquoi ce jeu il est pas plaisant à parcourir. Et c'est qu'en fait, parce que non seulement les pièces se ressemblent toutes, mais en plus de ça, les lieux sont vides, y a rien à y faire. Dans Silent Hill 2, quand dans un Silent Hill, bon après voilà, n'est pas Silent Hill qui veut, mais dans ce genre de survival horror, à chaque fois qu'on se rentre dans une pièce, il y a toujours un détail visuel qui est, enfin souvent en tout cas, des détails visuels qui sont attirants. La pièce, elle est plutôt bien remplie, elle est détaillée, elle a un petit peu son histoire, c'est-à-dire qu'il y a des objets à droite à gauche. Là, en dernier, le dernier jeu que j'ai, le dernier Silent Hill que j'ai fait en date, c'était le 4. Et dans les appartements, chaque appartement avait son histoire, avait son thème. Il y en a un qui était fan d'armes à feu, il y en a un qui était, il y en a un qui était peintre, il y en a un qui, enfin voilà, chaque chose avait vraiment son identité, alors que là, tout se répète et tout est identique. Alors bon, vous allez me dire, un hôtel, c'est un peu comme ça, mais le problème, c'est qu'il y a aucun plaisir du coup à farfouiller dans l'hôtel. Par exemple, là, ils nous ont envoyé chercher une clé, du coup, dans les chambres. Et alors, outre l'espèce de petite course-poursuite chassé croisé avec le je sais plus quoi, l'espèce de petit Gremlins là. À part ça, l'hôtel, il était chiant à explorer parce que tout se ressemble. Il y a rien qui voilà, tout se ressemble et tout, c'est juste prétexte pour cacher une clé. Et du coup. Je vais chercher la clé parce que je dois aller la chercher, mais ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier parce que j'avais pas envie d'y aller. Donc je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment le problème qu'il y a avec ce jeu-là, c'est qu'il manque de détails, il manque d'univers, de lore. L'autre chose qui me dérange un peu, bon là ça a été un peu corrigé sur, je pense, j'ai l'impression sur cette session de jeu, c'est que il est très avare en cinématique, en mise en scène. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'avais déjà dit la dernière fois, mais tout s'enchaîne. C'est-à-dire que les lieux s'enchaînent les uns après les autres, mais il n'y a pas vraiment de lien, j'ai l'impression. Bon, forcément, il y a des trucs avec Linda, machin, ses pouvoirs, sa partie sombre, machin, etc. Ouais, d'accord, mais c'est pas suffisant. Le premier, j'ai l'impression, il y avait plus de cinématiques, mais il y avait surtout aussi plus de monde, en fait, dans le premier Dreadout. Je parle surtout de pas la première partie, hein, mais de la deuxième partie du premier jeu. Il y avait plus de monde, donc il y avait plus un petit peu plus d'interaction avec les personnages. Hein. Les autres personnages, et c'était cool, alors que là, Linda, elle est vraiment toute seule, il n'y a pas vraiment d'autres personnages principaux pour le moment. Et du coup, ce qui fait que j'ai vraiment l'impression que le jeu est vide, en fait. C'est vraiment une désagréable impression. Donc ça, c'est pour le négatif, mais pour le positif, et c'est peut-être le gros truc positif que j'allais mettre, c'est tout ce qui nous a amené à ce lieu-là, quoi. Toute cette quête annexe avec le Pochong, fan de course, là.
Au début, j'avais pas envie de la faire cette quête annexe. Je me dis, ça me fait chier, ça va m'emmener à minuit dans dans la ville. Il va falloir prendre un fantôme en photo, ça va me faire chier. Et en fait, non. Il n'y a pas eu de combat. Par contre, il y a eu une. Là, pour le coup, j'ai trouvé que la mise en scène a été super intéressante. C'était super intéressant le fait de passer à la première personne avec cette espèce de comment dire de route hein, qui défile pendant que l'autre nous raconte son histoire, une histoire assez triste. Et puis le réveil au cimetière, parce que je savais pas du tout où est-ce qu'on allait, hein. Et on se retrouve au cimetière devant sa tombe, et j'ai trouvé, là pour le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé son histoire assez, enfin, émouvante, entre guillemets, hein. Disons que c'était bien fait. C'était bien fait, je vous dis, quand on est arrivé là et qu'on se réveille sur sa tombe, j'avais presque envie de pleurer, quoi. Je me sentais mal pour le fantôme, quoi. Donc là, voilà un truc dans le jeu qui a marché, et qui a bien marché. Et voilà, j'aimerais bien en voir un petit peu plus. Alors j'imagine qu'il faut les chercher à hein, ces moments-là, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus dans le jeu de manière générale, sans avoir à passer par des quêtes annexes. Hein, c'est ça que je veux dire. Donc écoutez, cette session un peu meilleure que les précédentes pour moi, hein, moins frustrante pour moi. J'ai plutôt bien géré les combats de boss, je trouve. Voilà, c'était cool. Pas excitant, hein, plus que ça, mais voilà, ce petit passage a eu le mérite de me redonner espoir. Sinon, bah, les crashs font toujours chier, mais que voulez-vous, j'y peux rien pour le moment. J'espère que ça va pas trop se reproduire par la suite. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette nouvelle session sur Dreadlord 2. Rendez-vous bientôt pour la prochaine, pour entamer l'acte 5 dans le Kampung Siente, je ne sais pas ce que c'est. Mais on verra ça le prochain coup. Et puis, ma foi, écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!